Le coût environnemental des masques de procédure. Mais parlons-en parce qu'ils sont devenus obligatoires dans les écoles secondaires et parce qu'on évalue à 85 millions le nombre de ces masques-là qui seront jetés dans le réseau scolaire d'ici la fin des classes. Il y a des voix qui se sont élevées pour réclamer une gestion plus responsable des masques de procédure. Et dans cette logique-là, le ministère de l'Éducation a remis une liste aux écoles, une liste préparée par Russie-Québec, sur laquelle on retrouve quatre. Donc des entreprises qui offrent un service de récupération des masques. Et là où les choses se corsent, c'est que les informations fournies par ces entreprises à Rossé-Québec quant à leur méthode euh, et à leurs procédés qu'elles emploient n'ont fait l'objet d'aucune vérification. En d'autres mots, il est impossible de mesurer l'impact environnemental de la gestion qui est faite de ces masques-là par ces quatre entreprises. Écoutons Karel Ménard. Il faut se poser la question. Qu'est-ce que vous allez faire après avec ce masque-là? Euh, quel est le procédé justement de, de, de recyclage ou de valorisation? Où est-ce que ça va être fait? Parce que si on envoie des masques, comme vous dites, euh, très loin dans des camions, il y a un bilan carbone aussi qu'il faut prendre en ligne de compte, qui peut être plus élevé que les euh, supposés bénéfices lorsqu'on brûle des masques dans des incinérateurs. La liste préparée par aussi Québec suscite des réactions à l'Assemblée nationale. C'est le cas pour la porte-parole en matière d'environnement de Québec Solidaire qui s'inquiètent que des fonds publics soient utilisés pour recourir à des services qui n'ont pas été validés. On aurait pu, pour une fois, s'il vous plaît, se prendre un petit peu à l'avance et, euh, et, et prendre la décision, puis prévoir, au lieu d'essayer de trouver la solution la plus rapide qui est n'importe comment, donner des masques à une entreprise qui, après ça, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait, puis quel impact ça va avoir. Ça, c'est mieux. De son côté, le ministre de l'Environnement rappelle que le Québec vit actuellement une crise sanitaire sans précédent et que l'obligation des masques de procédure, c'est une recommandation de la santé publique. Tout de même, Rossy-Québec est toujours en mode solution pour trouver d'autres méthodes, d'autres moyens pour limiter les impacts de ces masques sur l'environnement. Ici, Aziasine, Radio-Canada, à Québec.